Bonsoir, bienvenue dans cette troisième euh, partie de la FAQ pour fêter les 1 an et euh, les 2000 abonnés ou les 1000 euh, plus 1000 abonnés sous Kratos, votre NSX favori toujours là euh, pour vous servir et aujourd'hui on passe à la dernière partie euh, de cette FAQ euh, dernière partie qui va, <coughs> pour ainsi dire, regrouper un peu les questions en vrac voilà, des, des, des choses un peu mélangées euh, ici et là, que j'ai pas forcément casé dans les deux premières, donc euh, bah, j'ai envie de vous dire euh, c'est parti. On commence avec la question de. Oh, bah, 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 bah. j'ai pas noté son nom, tiens. Normalement, quand je prends les photos, je prends tout. Mais ouais, bon, je me suis gouré, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci à toi. Sûrement que tu regardes cet FAQ. Euh, merci à toi d'avoir posé cette question. Si sans le savoir parmi tes abonnés, quelqu'un que tu suivais comme ça commence à devenir de plus en plus célèbre jusqu'à devenir aussi célèbre que les youtubeurs tels que Sifano, Capitaine Kirk, Agent GB ou encore Furious Jumper, comment réagirais-tu Serais-tu fier Ben oui, j'ai envie de dire oui, enfin, fier, je sais pas si c'est le terme mais je pourrais effectivement euh, euh, me l'a péter en disant, ouais, alors lui, tu sais, à l'époque, il suivait ma chaîne quand il avait encore 8 abonnés, maintenant il en a 8 millions, oui, pourquoi pas, ouais. <coughs> je pourrais me la péter un peu de façon mondaine. Maintenant, dans les noms que t'as cités, sincèrement, à part Sifano pour moi, Captain Kirk, c'est pas une chaîne YouTube, c'est euh... du Star Trek, quoi. Agent GB et Jumper, je connais pas. Mais euh, oui, effectivement, voilà. Siphano, étais-tu abonné à ma chaîne, dis donc euh, une prochaine question, l'Algérisien. Tout d'abord, je vois que je ne me suis pas trompé de chaîne sur YouTube et que vous avez l'air d'un homme qui aime beaucoup ses abonnés. J'aime ce genre. Merci à toi, mon cher l'Algérisien. Alors, tu as plein de petites questions, hein. je vais essayer d'y répondre assez succinctement, n'est-ce pas Alors, comment vous appelez-vous Mon prénom, c'est Igor. Voilà, sinon mon pseudo, c'est Souskratos, tu l'auras compris. Votre année de naissance, 1990. Pourquoi Super Nintendo Boy Parce que Super Nintendo. Quel est le métier de vos rêves Je n'ai pas de métier de mes rêves en réalité. Hein. Pour moi, euh, <coughs> comment dirais-je Le travail, c'est secondaire. Pourtant, j'aime beaucoup ce que je fais dans la vie. Hein. J'en parle, je crois, déjà dans, le, la FAQ, euh, dans la deuxième partie de la FAQ. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais euh, je n'ai pas spécialement de métier de, de rêve, pour être franc. Avez-vous un signe astrologique Oui, apparemment, je suis Verseau ascendant Scorpion. Voilà, ça fait un petit mélange, un petit mélange sympathique. Quel est votre jeu préféré ah, Difficile à dire. Allez en 2D, Super Mario World, c'est sûr. Euh, en 3D, c'est plus chaud en 3D. Hein. Peut-être, peut-être un, un Ocarina of Time, voire un Witcher 3. Voilà, un peu plus récemment. Préférez-vous les chiens ou les chats bah, les chiens. Hein. J'ai une chienne qui s'appelle Peach. Euh, si vous l'avez pas vu en vidéo, et bien fouillez un petit peu dans la chaîne, vous trouverez 2 trois vidéos. Euh, c'est la plus belle du monde, hein, ni plus ni moins. Euh, ce qui vous permet d'avoir des idées de vidéos, bah, euh, bah déjà ça sort de là des fois, et puis bah, c'est en baladant euh, ici et là sur YouTube, sur le net. Euh, voilà, enfin, les idées ça manque pas. Il hein. suffit de toute façon d'aimer les jeux vidéo et d'en découvrir. Et puis des idées de chaîne, j'en ai plus ou moins euh, à l'infini. Pourquoi avez-vous choisi le thème de Nintendo bah, C'est vrai que j'ai un affect tout particulier avec Nintendo. Hein. J'aime beaucoup euh, plein d'autres consoles et constructeurs. Hein. Sony et Microsoft, je ne suis pas contre fondamentalement. Mais euh, de par mon parcours de joueur, c'est sûr que j'ai un affect tout particulier euh, avec euh, Nintendo. Ça, je ne peux pas le nier. Euh, Votre destination de rêve. <laughs> Ma destination de rêve. Là pareil, hein. moi j'adore voyager, mais... Euh... Ça fait des. Ça doit faire quoi maintenant Deux ans que je me suis résigné à ne plus prendre l'avion, que voilà, c'est pour, on va dire, suivre mes, mes valeurs écologiques. Mais ouais, j'ai pas tellement de destinations de rêve. J'aime beaucoup le Japon. Un jour, le Japon, peut-être, j'aimerais bien y passer. Mais du coup, sans avion, c'est plus compliqué. C'est pas infaisable. Euh, dédicace à Fildron, que je crois qui a fait Paris-Tokyo en... en vélo. Hein. Non, même pas en moto, en vélo, le mec. Euh, ouais peut-être peut-être euh, le Japon tu vois si j'ai le temps tu vois pendant euh, à ma retraite ou, euh, ou là tu vois si je prends trois mois je me barre en train euh, et puis euh, et puis je, je, voilà j'essaie de faire tout le, le, le trajet euh, sans avion aller-retour <coughs> voilà je, je pense ouais le Japon c'est pas mal aimez-vous la Tunisie l'Algérie euh, oui et non j'y suis jamais allé pareil ça me dérangerait pas même plutôt avec plaisir d'aller visiter, vu ton pseudo, j'imagine que euh, tu es algérien peut-être. Euh, mais non, ouais, ouais, clairement, c'est des destinations que ça ne me dérangerait pas d'aller visiter. Euh, D'ailleurs, c'est quand même un peu plus proche que le Japon. Quel est votre plat préféré ah, ah, Je pense pas que j'ai des plats préférés, mais euh, j'aime beaucoup le chocolat. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le chocolat. Euh, vous êtes plus campagne, ville ou mer, euh, euh, montagne Non, pas forcément. Enfin, j'habite à la montagne maintenant depuis quelques années. J'aime beaucoup ça. Euh, bah, j'ai envie de dire euh, mélangeons, tu vois, c'est-à-dire une petite ville euh, entourée de campagne, proche des montagnes et de la mer également. Hein Pas mal, non Il y a des pays où ça se trouve. Hein, des, des pays, je pense, comme le Liban. Voilà, c'est petit et où il y a les deux. Euh, ça, ça peut se faire. Votre matière préférée en sixième. Alors je ne sais pas où est-ce que tu habites euh, exactement, mais pour moi la sixième, euh, c'est la sixième primaire ici en Suisse. Euh, voilà, c'est un peu les matières basiques, tu vois, français, maths, histoire, machin. Euh, J'ai envie de dire allemand. Non, pas du tout. <laughs> ouais, en Suisse, à l'école obligatoire, on est obligé d'apprendre l'allemand. <coughs> euh, le français. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la lecture. Euh, français Histoire, c'est pas mal, Français Histoire, c'est pas mal. Avez-vous des frères et des sœurs Oui, euh, j'ai une petite sœur que j'aime beaucoup, on a 10 ans de différence, et, euh, et voilà, Mouah, dédicace à elle. Je vous remercie d'avance si vous répondez à mes questions, et eh bien c'est fait mon cher ami. Euh, merci encore pour le soutien et pour toutes ces questions. On passe euh, au prochain. Coucou, tu as quel âge 31 ans, Luluto. Plus un gros like et un casse, c'est génial, bravo. N'hésite pas à faire un tour sur ma dernière vidéo. Yes, bonne fin de journée, mais de même. Et merci pour ta question. Gros pouce bleu, j'ai une question. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie sur ta chaîne Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien... bien J'aurais peut-être d'ailleurs dû mettre ça dans, le, dans le, la première partie de l'FAQ. Euh, bah, comme je disais, je vais continuer gentiment à diversifier les thèmes sur la chaîne. Et peut-être euh, un bout d'un moment de l'année, essayer de me focaliser un petit peu plus sur certains, euh, quitte peut-être à réduire un peu le rythme. Voilà, peut-être passer, je pensais, de 4 euh, de, de, de vidéos par semaine à 3, voire 2 selon euh, le contenu. Euh, ouais, ça me sent pas mal, mais toujours, continuer à se diversifié, beaucoup de Nintendo, un petit peu d'autres choses, et puis je pense que ça va le faire. Et j'espère que ça vous plaira, bien évidemment. Je vous tue un peu aux consoles Xbox. Bravo, Lianka, Merci, Stylos euh, V2. Euh, alors, j'ai eu. Alors, oui, étant plus jeune, j'ai euh, pas mal poncé, mais en multi, hein, uniquement euh, la Xbox euh, FAT. On jouait notamment à Kung Fu Chaos, c'était euh, génial. À Fusion Frenzy, à Time Splitters 2. Ouais, je crois que c'était sur tous ces trois-là. Euh, c'était génial. J'avais adoré euh, Panzer Dragoon Orta, j'avais adoré euh, euh, les Star Wars Kotor, Enfin, voilà, il y a de enfin, la, la première Xbox, elle est vraiment géniale pour être franc. Je la possède plus parce que je n'avais pas d'affect particulier euh, avec. <coughs> j'ai du mal à respirer aujourd'hui. Mais euh, pareil pour la 3.6 et la One euh, La 3.6, beaucoup de bons jeux, une superbe console. Euh, la One Ouais, j'ai profité quelques mois, il y, a, il y a quelques années, du Game Pass, c'était chouette. Mais euh, ouais, non, alors je suis plutôt Switch et PS4 pour le coup, en tout cas dans les dernières générations. Et puis bah, sinon la série X, c'est vrai qu'elle a l'air assez intéressante, mais je l'ai pas encore eu entre les mains. Voilà. Autant j'ai déjà vu un peu le menu de la PS5 chez un pote, autant bah, la série X pas encore, mais je me, dé... je me réjouis pardon de découvrir ça, même si a priori moi je risque pas de passer aux prochaines générations de consoles ou alors dans longtemps. Voyez, dans... Si dans 3-4 ans j'achète une PS5 en loose seconde main, bon, on verra, tu vois. Mais pour l'instant je suis pas trop ouvert à ça. Next! Ah bah la mine euro, gros bisous à toi la mine euro. Yay, je percute, mais deux semaines plus tard tu as pris 310 abos. Donc il a écrit ça il y a 6 mois. Oui, on dirait qu'il y a un petit coup de boost, l'effet 1K Peut-être, je sais pas trop. C'est cool en tout cas, je ne suis plus forcé de poster un comment alors XD. Ouais, alors Neuro il est trop chou, hein, quand même. il y a pas vraiment de questions. Oui, il y, a, il y a un genre de questions vite fait, mais voilà, je vais te faire une petite dédicace Neuro parce que. Voilà, tu, tu, tu es quelqu'un de génial, d'ailleurs j'ai toujours pas vu ta dernière réactu là, on est le, on est le 25 mars, mais je vais la rattraper, puisque j'adore te suivre euh, en mode réactu. Euh, il a toujours de la place pour un petit comment, ça fait plaisir, la bise et encore bravo. Mouais. Next, by. mais qui est cet homme Peut-être le connaîtrais-je Que penses-tu des mariages mixtes en Indonésie Écoute, mon cher Bye, mon cher Bye Bye. Eh bien, les mariages mixtes en Indonésie. Moi, je suis plutôt pour. Je pense vraiment que les hippopotames et les licornes doivent pouvoir se marier euh, et même, pourquoi pas, euh, adopter. Tu vois. Ouais, franchement, euh, voilà, il faudrait réfléchir à ça, les Indonésiens. Euh, Lightjack, Hello, Super Nintendo, bravo. Quels sont les OST de jeux vidéo? Que que adores écouter. As tu écouter As-tu d'autres passions ou passe-temps Quel est le premier jeu vidéo que t'as fini Bien à toi. Merci pour tes questions, euh, Lightjack. Euh, alors, euh, quels sont les OST de jeux vidéo que tu écouter Alors, euh, plus récemment, ces dernières années, euh, je peux vraiment citer euh, Witcher 3, euh, Xenoblade Chronicles, euh, oui. Euh, même si bah, je n'ai pas réussi à finir le jeu, puisque le, le level-up m'a pété les couilles. Musicalement, c'est une tuerie. Je suis en train de faire le 2 tuerie également. De manière générale, en fait, les Xenoblades, ça a l'air d'être une tuerie musicalement parlant. Euh, je parlais des The Witcher. Après, j'aime bien certains, on va dire thèmes, tu vois, que ça soit du Final Fantasy, évidemment, que ça soit dans FF7, euh, 9, 10. Voilà, il y a quand même du lourd, même dans le 15, il y, y a quelques, quelques bonnes musiques. Euh, voilà. Ou ouais, alors souvent, vu que j'aime les RPG, en fait, bah voilà, dans les RPG, c'est vrai qu'on retrouve assez souvent des, 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 des des, 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 des bons sons, euh, des bons thèmes par, par endroit, par personnage, des thèmes plus généraux. Euh, voilà, ça, ça me plaît. Et puis après, bah, quelques boucles, on va dire, traditionnelles. Tu vois, un petit Zelda, un petit Mario, euh, Pokémon même. Euh, voilà. Mais ouais, plutôt dans, dans tout ce qui est RPG. Donc euh, voilà, FF, Xeno, Witcher 3, pour citer que ça. As-tu d'autres passions au passe-temps Oui, bah, évidemment, je pense, comme tout le monde. Euh, rares sont ceux qui euh, sont que focalisés dans le JV. Alors le JV c'est assez important pour moi très clairement, mais il euh, n'y a pas que ça. Euh, bah, pour vous dire, j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup l'écriture. Euh, J'écris de la poésie également. Euh, bah, en 2017, j'ai sorti un premier livre, si vous tapez mon nom, euh, Igor Rodriguez Ramos sur Google, Rodriguez avec un S, bah, vous, vous le trouverez, hein. il s'appelle Rencontre amoureuse au pluriel. Euh, là, je suis en train, normalement cette année ça devrait le faire, de de sortir un autre mais dans une autre maison d'édition euh, plus régionale euh, euh, dans la ville où j'habite euh, en Suisse actuellement donc euh, ouais la poésie j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le rap aussi vraiment j'aime beaucoup beaucoup le rap euh, à l'ancienne plutôt et francophone ouais plutôt et je dis bien francophone pas que français parce que bah voilà que ça soit chez nous en Suisse ou euh, nos amis nos amis belges pardon bah il y, y a des choses vraiment très très chouettes euh, ouais, rap, poésie, j'adore les promenades. Ça, c'est un truc, je pense, ça peut faire partie de mes passe-temps. J'adore les promenades, les, les randonnées, mais souvent assez courtes. Hein. Je ne suis pas forcément le gars qui va te taper les 12 heures de randonnée. Mais euh, les promenades, c'est assez vital pour moi. Que ça soit seul, avec ma chienne, avec ma chérie, les trois. Enfin, voilà, on se fait vraiment plaisir à ce niveau-là. Quel est le premier jeu vidéo que tu as fini eh, Ça, c'est une bonne question, mon gars, parce que je crois que je ne sais pas trop. Alors, on m'a déjà posé la question, là, mais euh, je ne sais pas. Peut-être Super Mario Land. Je ne je suis pas sûr. Super Mario Land Game Boy, donc je, vraiment, je ne suis pas sûr. Euh, bien à toi également, mon cher Light Jack, et merci encore. Spike07, l'ami Spike, 07, la Miss Spike est dédicace à toi également. Vous retrouverez d'ailleurs une petite interview de lui sur la chaîne. Quelle franche réussite, je te félicite de tout mon cœur et aussi félicitations de ta chaîne YouTube qui a eu beaucoup d'abonnés depuis cinq mois. C'est grâce à des gens comme toi, mon cher Spike. Voici les questions pour toi. Est-ce que tu es fort à des jeux de stratégie comme Fire Emblem Et Fire Emblem, c'est le genre de licence que j'aimerais creuser un jour, mais non. Alors je sais pas, ça se trouve je suis méga bon, mais en fait j'y joue pas. Mais à tester, tu vois. Est-ce que tu regardes One Piece? J'ai eu regardé, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Beaucoup trop d'épisodes. Euh, bon, des, enfin, moi je me rappelle, je crois que j'étais un moment où, voilà, en gros, une partie euh, des gentils faisait face à une partie des méchants, alors je sais plus quel arc. Et pendant, je sais pas, je dis au bol, mais 8 épisodes, ils se remémoraient des trucs que tu avais déjà vus. Brrr, non, alors s'ils font, tu vois, un One Piece Kai comme ils ont fait pour Dragon Ball Z Kai, je suis preneur, mais avant ça, c'est mort One Piece pour moi. As-tu déjà joué à Assassin's Creed Si oui, quel est ton préféré, n'importe quel épisode Alors, j'ai joué à Assassin's Creed, j'avais testé un peu le premier à l'époque, j'ai pas plus accroché que ça. Sinon, j'ai fait l'Odyssée, parce qu'à la base, j'aime beaucoup la, la culture euh, grecque antique, euh, gréco romaine elle même de manière générale. Et euh, bah oh là, j'ai joué un peu à Odyssée, quelques heures, je suis pas allé au bout, parce que... Ouais... Je... J'ai l'impression que le, le jeu faisait beaucoup trop de remplissage et puis euh, j'avais même plus l'impression d'être un assassin, donc euh, ouais, non, ça va. Euh, mais voilà, Assassin's Creed Odyssey, je dirais. Euh, Est-ce que tu pourras ouvrir un jour ton Discord C'est pas prévu, mais euh, tu seras un des premiers au courant si c'est le cas, mon cher Spike. Quelle tes consoles, quelles sont tes consoles préférées et jeux sur tes consoles favoris Alors, ça, j'ai déjà un petit peu répondu, mais voilà, allez en vrac Super Nintendo, euh, GameCube, euh, licence Super Mario, euh, Zelda Pokémon. Voilà. Tu pourrais faire des let's play sur chaque épisode si ça ne te dérange pas. Chaque épisode 2, tu veux dire des consoles préférées ou des jeux favoris si, 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 si ta question porte là-dessus, ouais, ouais, c'est prévu. C'est déjà un peu fait, mais euh, voilà, tu iras dans les rubriques les consoles de l'amour et, et la rubrique euh, les jeux de l'amour. Euh, tu seras gavé, mon gars. Pourquoi euh, tant voulais-tu tant être YouTuber Je ne suis pas YouTuber, en fait, mon cher Spike. J'ai fait une vidéo là-dessus, je ne suis ni YouTuber ni vidéaste. Euh, mais voilà, c'est vrai que dans mon entourage, il n'y a pas tant de gens qui sont ultra fans comme moi des jeux vidéo. Donc en fait, YouTube, ça me permet bah, de venir euh, partager ça avec d'autres gens et puis euh, je kiffe quoi. Aimes-tu voyager Ben oui, bien sûr, j'aime voyager. Alors je sais de profiter de la mobilité douce. Donc je parlais des promenades, on va dire. Les promenades, c'est un peu les voyages quotidiens déjà. Tu vois, quand tu... même si c'est autour de, de chez toi, tu vois. Pour moi, c'est déjà ça le début du voyage. C'est dans la tête aussi. Et puis, bah, sinon, voilà, en train, euh, je ne conduis pas, mais ma chérie ici, si, donc euh, des fois en voiture, voilà, on va. Là, ce qui est cool en Suisse, c'est qu'on est déjà entouré de pas mal de pays. <coughs> rien que pour les plus gros, bah, voilà, France, Italie, Allemagne, tu vois, euh, c'est à côté entre guillemets, donc il euh, y a de quoi faire. Et rien qu'en Suisse également, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Euh, c'est un magnifique pays. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas et que vous avez le budget. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même un certain budget hein, pour passer une semaine ou deux en Suisse. Euh, et ben, je vous recommande vraiment, c'est un magnifique pays. Encore une fois, congratulations et euh, bah, merci à toi, mon cher Spike, et hein, toi aussi. Euh, voilà, Comme je disais, c'est vraiment grâce à des gens comme toi que j'ai pu avancer sur YouTube et ça fait vraiment plaisir. Alors, mm, des bisous tout spéciaux aussi. Alors que ça soit Spike ou Neuro, vous trouverez euh, des interviews de sur la chaîne. Dabra Alors, est-ce que c'est Dabra de DBZ, là, le diable, ou rien à voir J'ai une question. Vas-tu faire une vidéo des pires jeux d'une console Je ne suis pas fermé à ça, ce n'est pas prévu, mais euh, ouais, c'est vrai que les pires jeux, genre des consoles Nintendo, SNES ou quoi, Ouais. après, il faudrait peut-être définir le critère du pire. Est-ce que c'est visuel Est-ce que c'est musical Est-ce que c'est général Mais euh, ouais, franchement, bonne idée. Team Yoshi3000, un habitué également. Tu as quel âge 31 ans, ton jeu préféré euh, allez, on va dire Super Mario World. Euh, encore une fois, c'est très dur. Ta console préférée, euh, SNES, euh, enfin Super Famicom, GameCube. Comment as-tu décidé de te lancer dans les vidéos YouTube eh bien, pendant euh, le confinement Je crois que j'en parle aussi peut-être dans la première FAQ. Je n'ai pas trié si bien que ça les questions, je me rends compte. Euh, bah, en fait, pendant le premier confinement, donc euh, mi-mars, bah, j'ai eu plus de temps, alors je me suis lancé et puis bah, comme je disais juste avant c'est vrai que comme j'ai pas tant de gens avec qui partager ma passion du jeu vidéo autour de moi bah c'est un petit peu l'occasion et, et ça fait plaisir. D'ailleurs c'est vrai qu'il faudrait que je commence à penser à des formats où je suis plus dans le partage et dans la discussion. Pour l'instant, je suis un peu un branleur derrière sa webcam d'ordi mais euh, ouais, j'aimerais bien organiser des débats, des discussions. Je, je pense que c'est là que et voir en live, j'y pense pourtant le live c'est pas le truc qui m'attire, j'aime bien y participer mais en faire un voilà, sans réflexion, tout ça. Merci à toi, Team Yoshi3000, ou merci à vous, tous les Yoshi. Pierre NJ, quel est ton style de musique euh, J'aime beaucoup le, le rap francophone, comme je disais. Euh, sinon, tout ce qui est aussi musique, euh, on va dire pseudo-médiévale, vous voyez, vous en trouvez plein, des compilations, des playlists comme ça euh, sur YouTube. Ou même des trucs, euh, voilà, vraiment, peut-être, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, néo-médiéval, type euh, Naël Band. Euh, en plus, c'est drôle, donc. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, la musique classique, un peu. Le rap. Euh, la variété française, vous savez, les barbara Brel, Brassin, ça j'aime beaucoup aussi. Euh, ouais, voilà, c'est un peu ça. Un peu de musique portugaise, genre du fado, tu vois. Le fado, c'est vachement cool. Euh, mais j'aime bien la musique, mais euh, ouais, je ne suis pas un gars qui, est trop, qui écoute trop de musique. En plus, bah, comme je n'utilise pas de smartphone, bah, tu vois, quand je suis dans la rue, je n'ai pas d'écouteur comme la plupart des gens, donc. Euh, moi, ma musique, c'est le chant des oiseaux et le passage des voitures. Quoi. Merci pour ta question ou pour vos questions, Pierre et Jay. Et mon cher Quinto, c'est quoi ton métier T'as quel âge 31 ans Mais est-ce que j'ai pas déjà répondu à cette question, mon cher Quinto Peut-être pas. Alors, je travaille avec des enfants, je donne des cours, j'écris des articles. Euh, voilà, c'est un peu le, le, le gros. Je gère aussi un peu la com de certaines personnes. Je fais un peu de coaching. Je fais plein de trucs. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Chris et pas des addicts du vide-grenier. Salut les gars. <coughs> euh, salut, question pour FAQ1. De quelle région viens-tu J'habite en Suisse. Je viens du canton. Je suis né, j'ai grandi quasiment toute ma vie dans le canton de Genève, mais je suis maintenant dans le canton de Neuchâtel. Quel est ton jeu préféré Super Mario World, euh, Ocarina of Time et Witcher 3. Voilà. Je me rends compte qu'à force qu'on pose la question, c'est vraiment les trois qui me viennent à l'esprit. Combien as-tu de jeux dans ta collection Alors, mon cher, j'ai déjà eu une collection, il fut un temps, une collection d'environ 2200, 2300 jeux, toutes consoles confondues. <coughs> j'avais quoi Une septantaine, 82 consoles, euh, une partie en loose, une partie en boîte, j'avais une gaming room. Et puis, euh, après, un jeune, Voilà, ça, ça il faudra de toute façon que je le raconte dans une vidéo à part, mais. Après un jeûne, bah, je me suis senti un peu sale. Alors, je ne dis pas que c'est sale d'avoir trop de trucs, mais j'ai eu besoin de me délester de matériel. Et alors, euh, que ce soit les JV, les livres, euh, les habits, les, euh, tout ce qui est films, musique, euh, mais tout en fait, meubles, tout, même l'appart. Tu vois, on avait un appart beaucoup trop grand. Avec ma chérie, on avait 5 chambres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 étages, euh, c'était absurde. Pour deux personnes, même si beaucoup de gens venaient dormir et que voilà, on voulait devenir papa et maman. Euh, non, c'est s'est dit, on va aller dans beaucoup plus petit. Voilà, donc là, on est dans un petit appart. Euh, il me reste moins de 100 jeux qui sont dans un placard et je joue beaucoup en émulation. Donc euh, voilà, après euh, un jeûne et puis euh, en continuant mon chemin, on va dire, vers la simplicité l'écologie. l'écologie, bah, c'est vrai que. Pour moi, la collègue de jeux vidéo, c'était plus possible, mais je continue à beaucoup jouer en émulation. Je te rassure, je découvre plein de jeux. D'ailleurs, regardez sur la chaîne, vous le verrez. Merci en tout cas à vous deux, les gars. Ah, c'était la dernière question, mais c'est parfait, j'ai réussi à tout faire dans les temps. En tout cas, bah, encore une fois, merci. Je vais le dire trois fois merci et merci vraiment pour toutes vos questions, pour tout votre soutien, pour le temps passé sur la chaîne, pour les partages, pour les likes. Pour les commentaires, pour les MP, pour les mails, vraiment, c'est un vrai plaisir euh, d'être euh, sur euh, YouTube. Oula, est-ce que les questions n'ont pas passé Ah, si, si, j'ai eu peur pendant un moment. Euh, voilà, c'est un vrai plaisir de partager avec vous. J'espère Je, continuer encore longtemps, hein, peu importe. Euh, parce que bah voilà autant de kiff pourquoi changer une équipe qui gagne en tout cas bah merci encore une fois merci si jamais je vais faire une petite compilation de ces trois euh, parties de FAQ je les mettrai en une euh, puis je publierai ça un petit peu plus tard sur la chaîne donc euh, voilà si vous ne voulez pas les voir séparément ou bien si vous tombez sur, cette FA, sur la partie 3 en tout premier euh, pas de souci euh, peut-être que d'ici là la compilation sera déjà publiée euh, voilà Merci encore à toutes et à tous et...